Bonsoir. Ouais, mais non, mais je suis arrivé là. Ouais. Alors, il y a une erreur parce qu'on a rien commandé. C'est peut-être en face. Ah non, mais. Non, mais sérieux, ou quoi? Il y a une erreur parce qu'en fait, moi, je suis. Salut, t'es là. Ah bon, ben, peiné, je te présente François. Oh merde. Moi, je suis français, je suis pas chinois. Alors, te vexe pas, mais ça se voit pas tout de suite. Comment tu vas expliquer tes origines à ton enfant? C'est le moment. C'est le moment de quoi? D'appeler ton père. Hey, t'es quand même le seul chinois qui veut pas revenir dans le 13ème. Hein. Hey, regarde mon pote, comme c'est grandiose, Chinatown. T'es classe, on dirait un gaulois. Ton cousin me dit quelque chose, mais je me rappelle plus. C'est le mec qui a fait Gangnam Style. Bon, allez, c'est quoi l'histoire avec ton père? Je devais soit obéir, soit partir. Alors je me suis barré. Tu crois pas que c'est calmé en 10 piges? Il est impossible de te barrer avec lui. Le pied pas trop profond, la corde trop courte. J'ai pas compris. Moi non plus, je la comprends jamais. Du coup, tu fais oui, comme ça. Oui. Tu devrais reprendre des cours de chinois rien que pour mieux comprendre ton accent, toi. C'est toi, l'ami de Fion? De qui? De Fion. Tu peux m'expliquer pourquoi tu t'appelles Fion? Oui. Ça veut dire héros. En français, ça veut dire autre chose. T'es réconcilié avec ton père? Tu lui as dit que t'allais le papa? Mais vite, je veux pas le forcer non plus. On pourrait peut-être attendre que le bébé y naisse, tu vois. Pense au bébé. Mais t'as peur de quoi? Mais ça va bien se passer. Papa, j'ai quelque chose à te dire. T'as un problème avec la nourriture de ma maman? Je me demandais juste... Est-ce que c'était quoi? C'est Yuki. C'est quoi Yuki? C'est du chien. Bon, j'ai pas de chien, c'est des légendes, c'est des conneries.